por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Mais personne ne travaille dans cet hôpital ou quoi? Bon, du calme mon amour, ne t'en fais pas, quelqu'un va bien finir par venir. Cette voix me dit quelque chose. Qui ça peut être? Ah, ah, regarde mon amour, voilà le médecin qui arrive. Je suis là, Charlie. Je t'apporte un bon jus d'ananas. Merci. Oh mince, oh, quelle tête en l'air. J'ai oublié les couches, je reviens. Non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, j'en ai encore deux. Dis, est-ce que tu sais enfin comment s'appelle le monsieur? Monsieur Gabaldon est mon père, il a été admis ici. Monsieur Caillot, bien sûr, oui, on lui a fait des examens et on attend à présent les résultats. On l'a gardé en observation. Ah bon? Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Comment il va? Écoutez, laissez-moi le voir, s'il vous plaît. Bien sûr, venez avec moi, venez. Ah, Charlie, je n'ai pas réussi à obtenir le nom de cet homme. Bon, et son chauffeur antipathique, je ne l'ai pas revu. Et je crois qu'ils sont déjà partis, Charlie. C'est pas possible, Margarita. Écoute, quand tu étais dans le couloir, tu n'as pas vu quelqu'un qu'on connaît? C'est que j'ai entendu une voix qui m'a semblé familière. Ah oui? Ben, je n'ai vu personne. Un homme ou une femme? C'était une femme. C'est que je suis sûre d'avoir entendu cette voix ailleurs, je ne sais pas, mais j'arrive pas à me rappeler qui c'est. Comment ça, tu sais qui est la maîtresse de Juan Ignacio Gabaldon? Je ne sais pas comment, je ne m'en suis pas rendu compte avant, Corina. Ça se passe sous mon nez. Et ils se sont bien foutus de ma gueule. Bon, Maruja, je ne sais pas si... Tu ne sais pas, hein? Comment ça, tu ne sais pas? Si, tu sais, Corina. Parce que cette fille, cette salope, cette garce, cette briseuse de ménage, travaille ici. Oui, ici, Corina. Ici, dans cette clinique. Maintenant, tu vois de qui je veux parler? Je ne sais pas si un jour... je cesserai de me sentir coupable, Anna Julia. Je ne sais pas non plus si un jour, je comprendrai pourquoi tu es partie. J'ai accepté ta mort. Et je ne crois pas, comme le dit oncle Lorenzo, que tout arrive pour une raison. Que tout a une explication. La mort, quand elle nous prive de l'amour, n'a pas de raison d'être.
Elle n'a aucune raison, ni justification. C'est simplement absurde. C'est injuste, cruel et absurde. Ah, il a l'épaule démise. D'accord, d'accord. Il faut que je la remette en place, hein. Roqué, fais pression ici, s'il te plaît. Ça va te faire un peu mal, mais il faut que je le fasse, hein. Je compte jusqu'à 3. Tiens bon. 1, 2, 3. Voilà, voilà, voilà. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais tu vas te sentir bien mieux, hein. Maintenant, il faut que j'immobilise ton bras. C'est ça. Ta chemise, s'il te plaît. Donne-moi ta chemise. On va immobiliser ton épaule et tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir bien mieux. Tiens bon, tiens bon. Que j'ai pu te trouver ce docteur. Merci. Mon père va vouloir savoir qui m'a aidé. C'est ça. Vous pouvez me donner votre nom. Mon nom ? Rinaldo ? Pardon, mon chéri, je savais pas. Non, entre, Martina, ne t'en fais pas. D'ailleurs, je suis sûr qu'Anna Julia, où qu'elle soit, doit être très heureuse. Tu lui apportes toujours ces fleurs qu'elle aime tant. Bah, c'est ma façon à moi de la garder vivante. Je n'arrive pas à oublier le regard qu'elle avait la dernière fois que je l'ai vue, tu sais. Ses yeux brillaient de mille feux. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle était si contente, elle m'a dit quelque chose qui m'intrigue encore, tu sais. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Anna Julia ? Ben, c'était avant de partir à l'aéroport. Elle m'a embrassée pour me dire au revoir et elle m'a dit qu'elle était très heureuse parce que votre rêve à tous les deux allait se réaliser, que votre vie allait changer. Un rêve. Martina, tu es sûre que c'est ce qu'a dit Anna Julia ? C'est resté gravé dans ma mémoire. Et ce qui me fait le plus souffrir, c'est que ce fameux rêve, ben, elle ne pourra pas le voir se réaliser, non. Martina, là. Merci. Quel peut bien être ce rêve, Anna Julia, hein? Ne serait-il pas possible? C'est ça. Et bon, mon nom, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu ailles mieux et tu vas vite te remettre. Et nous, on va poursuivre notre route. Oui, on a de la route à faire et on ne veut pas être surpris par la nuit dans la jungle. Si vous venez avec nous, vous pouvez passer la nuit dans notre village. Merci beaucoup, mais on préfère continuer, hein. Mon père est le chaman et il va vouloir vous remercier. Bon, deux petites secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, si son père est un chaman, on va devoir les accompagner. Ils ont leurs coutumes et c'est sûr, son père va vouloir te remercier pour ce que tu as fait. Hein? Alors on n'a pas le choix. Hein? D'accord. Bon. D'accord. Une angine de poitrine est une douleur aiguë qui se produit quand les muscles du cœur ne sont pas suffisamment irrigués en sang. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas très grave. Mais c'est comme un infarctus, c'est ça ? Pas exactement. C'est comme un signal d'alerte. Bon, j'espère que ça restera juste une alerte. Je peux le voir, docteur ? Oui, allez-y, mais qu'il ne fasse aucun effort. Il ne faut surtout pas qu'il s'agisse. Non, tranquille. D'accord ? S'il te plaît, n'y va pas, parce que si ton père apprend que je t'ai prévenu, il va être furieux. Bon, bah tant pis, Pacheco, parce que je ne suis pas venu si loin pour te voir. Je vais voir mon père et c'est ce que je vais faire. Tu viens avec moi ? Vas-y, toi, mon amour. J'ai un truc à faire. Comment je sais que la maîtresse de Juancho travaille ici ? Parce que c'est plus qu'évident, Corina. En plus, il est totalement différent depuis quelque temps. Bon, mais en quoi il est différent, selon toi ? Par exemple, il ne perd plus son temps comme il le faisait avant. Il passe tout son temps ici, à la clinique. Il ne manque qu'un rendez-vous pour rien au monde. D'ailleurs, il arrive en avance et part très tard, quand il n'y a plus que le personnel de garde. Ça veut bien dire quelque chose. Ben, je ne sais pas. C'est plutôt toi qui devrais le savoir, non ? Bien sûr, bien sûr. Évidemment, sa maîtresse étant là. Elle est ici à la clinique, Corina. Mon Dieu, tu ne trouves pas ça évident ? Ben, Maruja, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais...
Merci, Corina, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi, que tu pouvais m'aider. Merci, vraiment merci. Non, non. Attends un instant. Quoi? Mais Corina, écoute, fais-moi confiance. Je ne vais pas te créer de problème. Écoute, ce que tu me diras, ça restera entre nous. Allez, Corina, qui suspectes-tu? Dis-moi tout, dis-moi. Avec qui traîne Juancho? Qui peut bien être cette gare, selon toi? Sa maîtresse du moment? Ah, si tu savais, Sophia, je m'ennuie et je meurs de chaud. Et toi? Où es-tu? Je te croyais à Aruba. Si seulement... J'ai accompagné Sébastien qui avait une chose à faire. Et je n'aurais pas dû, vu ce qui s'est passé hier. Eh bien, figure-toi que je l'ai surpris en train de dire à Arturo qu'il ne cesserait jamais d'aimer cette paysanne jusqu'à sa mort. Tu te rends compte, Sophia? Quoi? Et pourquoi tu ne l'as pas tué? Ça aurait été réglé comme ça. Ah oui, j'ai bien failli. Mais... Ce n'est pas possible, Sophia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Paula? C'est elle! Mon Dieu! Et elle a un bébé dans ses bras! Un bébé? De quoi est-ce que tu parles? Où es-tu? C'est la paysanne, Sophia! C'est la paysanne en personne! En personne, Paula? Où es-tu? Et cet enfant? Mon Dieu, est-ce que... Non, 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 ça ne peut pas être ce que je crois. Non, ce n'est pas possible. Non, non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Alors, papa, hein? Tu vas rester ici pour te reposer alors qu'on a tant de travail à faire? Je savais que Pacheco n'allait pas pouvoir tenir sa langue. Attends que je sorte d'ici. Je vais le renvoyer. Il n'avait pas le choix parce que s'il n'avait rien dit, c'est moi qui l'aurais tué. Mais sois tranquille, il n'y a que Paola et moi au courant. Papa, tu nous as fait une de ces peurs. Ah, Sébastien. Non, du calme, ne t'en fais pas, c'est rien. Rien? Tu trouves ça rien, une angine de poitrine? Non, mais tu vois, c'est... C'est que ta fête qui était formidable. Et j'ai fait des excès. J'ai trop mangé. Et en plus, j'ai bu. Regarde. Regarde ton reflet, Sébastien. Tu sais que... Que tu ne peux pas faire d'excès passé 40 ans. Papa, mon Dieu, tu sais que j'ai encore le temps. Ouais, c'est vrai, Sébastien. Tu as encore le temps. Mais moi, je n'en ai plus du temps. Alors arrange-toi pour me donner un petit-fils. Très vite. Je ne veux pas quitter ce monde sans avoir connu ton fils, Sébastien. Qui est là? Ce bébé de Sébastien. Oh, non, 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 ce n'est pas possible. Ou si? Quand est-ce que Sébastien vivait avec elle? Avec cette sale paysanne? J'ai demandé qui est là. Répondez-moi enfin. Je ne pense pas que tu te souviennes de moi. Il y a 9 mois, tu es venu de Caracas. Tu cherchais Sébastien. 9 mois? Alors, c'est le fils de Sébastien? On ne fait pas un enfant du jour au lendemain, papa. Et encore moins quand on est des jeunes mariés. Qu'est-ce que tu attends alors? Que je meure? Je veux que tu me donnes un petit-fils. C'est compris? Ce n'est pas possible. Et si, Reynaldo, lui au moins, il m'a donné une petite fille. Au fait, dis-moi, comment va la princesse? Très belle. Je l'ai vue aujourd'hui et elle est encore plus belle et plus grande qu'avant. Que Dieu la protège. Tu sais, Sébastien, comment dire, j'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour la voir grandir.
Papa, je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu vas la voir grandir. Tu vas vite sortir d'ici, hein? Rappelle-toi que tu dois commencer à répéter le pas de valse d'Andrea Carolina, hein? Ah, Sébastien, que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime très fort, tu sais. Si Sébastien était encore avec cette fille il y a 9 mois, alors ce mioche doit être son fils. Mais comment je vais lui demander sans que cela soit évident? Que fait-elle ici? Que veut-elle? Est-ce que Sébastien et elle se sont finalement mariés? Une question. Est-ce que Sébastien est au courant? Quoi? Que son fils est né? Non, il ne le sait pas. Oh, excusez-moi. Charlie, voici les couches. Je vous laisse. Mais qui c'était, Charlie? Elle est jolie. Oui. Mais un peu maniérée. Qui c'est, tu la connais? C'est la copine de Sébastien. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je sais pas. Elle me l'a pas dit. Il ne me manquait plus que ça, Sophia, que cet imbécile de Sébastien soit tout bizarre parce qu'il aime encore cette paysanne et qu'en plus cette idiote lui ait fait un enfant. Bon, et le comble, enfin, c'est peut-être moi, mais ce gamin lui ressemble. Ah! Mais ça ne va pas! Qu'est-ce que tu fais, hein? Espèce de pervers! Ah, le voilà! J'ai trouvé le patient de psychiatrie! Paola, ralentis, parce que je t'assure que je ne comprends rien du tout. Rien, rien. Où es-tu? À l'hôpital, Sabana. Mais ne le dis à personne. Mon beau-père a fait un malaise et il ne veut pas que ça se sache. Il est en observation, mais apparemment on va rentrer cet après-midi. Oh, non, quelle tragédie! Tragédie? Une tragédie pour moi, Sophia! Tu as entendu? Cette paysanne a fait un enfant à Sébastien! J'ai eu envie de mourir quand j'ai vu cette paysanne en train de l'allaiter. C'était horrible! Et bon, et il est au courant? Au courant? Que la paysanne lui a fait un enfant? Ah, ben non, non! Mais il faut que je vérifie. Je ne sais pas s'il était au courant qu'elle était enceinte. Je ne sais rien! Il faut que je le découvre, c'est tout ce qui compte. Bon, Maruja, à vrai dire, je n'ai jamais vu Juancho. Je veux dire, le docteur Juancho avec personne. Bien sûr, parce que tu n'as pas fait attention. Mais si tu fais attention, tu vas commencer à voir les choses autrement. Par exemple, avec qui l'as-tu vu plus d'une fois à la cafétéria? Ou mieux, à quel étage le vois-tu le plus souvent? Mais Corinna, je ne sais pas, parle! Avec qui arrive-t-il et avec qui part-il de la clinique? Écoute, je t'assure, pour moi, il s'agit d'un docteur d'ici. Écoute, Maruja, bon sang. Maruja, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'espionne? Je ne suis pas détective privé, je suis médecin, hein? Je ne sais pas, figure-toi que... Corinna, mon amie, tu travailles ici, dans la clinique. Tu es une femme. Tu as l'instinct féminin. Et je sais que tu peux trouver une aiguille dans une botte de foin. Aussi vite que ça. Maruja, je t'assure que je n'ai jamais vu Juancho traîner avec quelqu'un. En plus, Maruja, tu ne dois pas signer les papiers du divorce. Et comment le sais-tu? Docteur, vous êtes tendu, très tendu. Regardez les nœuds que vous avez ici. Impressionnant. Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Le travail? Non. Dans mon travail, les seuls stressés, ce sont mes patientes. Tu sais,
Oui, mettez-moi un peu de Botox, docteur, s'il vous plaît. Oui, arrange un peu mes jambes. Et celles qui veulent avoir des seins comme des obus. Pas moi. Mon problème s'appelle divorce. Si seulement on pouvait régler ça avec une opération, si c'était possible, tout irait bien. Le problème, ce ne serait pas que vous livriez deux batailles en même temps et que vous ne vouliez en perdre aucune. Toi, ce cours de voyance te réussit bien. Tu es vraiment très douée. Tu es belle. Toi, tu es charmante. Merci, docteur. Et avec ses mains de déesse, je crois que n'importe qui deviendrait fou de toi. Ah oui? Vous croyez? Ne me demande pas. Ne me demande pas, tu sais. Ne me demande pas parce que tu vas devoir me calmer. Ça, il n'y a que Juancho qui le sache. Alors je ne comprends pas comment tu peux être au courant. À moins que monsieur ne l'ait crié sur tous les toits. Bon, Maruja, ça s'est passé au mariage de Sébastien. Quelqu'un est arrivé, lui en a parlé, j'ai entendu. Bah, tu sais. Et alors, tu vas divorcer de Juancho? Oui, bien sûr. Mais avant, je vais me faire le plaisir de découvrir qui est cette traîtresse qui lui sert de passe-temps. Je vais lui faire honte devant tout le monde. Cette fille n'osera même pas exiger qu'il la présente officiellement. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On ne va pas en rester là. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Non, parce que je vais réclamer ma part des actions de cette clinique. Comment? Tu veux ta part des actions de cette clinique? Et je vais faire partie du comité directeur de cette institution. Comme ça, je vais le blesser là où ça lui fait mal. Et même cette briseuse de ménage. Ça va être ma vengeance, Corinna. Bon, merci encore pour ton soutien, pour ton aide, pour tout. Je t'appelle la semaine prochaine pour qu'on déjeune ensemble, d'accord? Oh, Juancho Gabaldon! Ciao, Corinna. J'ai oublié de te dire au revoir. Ciao. Ciao. Oh, celle-là, je ne peux pas la supporter. Oh, c'est fou, je reviens pas. Comment ça, l'échantillon a disparu? Ben, tout d'un coup, Anna Julia me l'a demandé. Tout comme tu es venu me le demander. Un employé lui a sans doute remis. Ah oui? Mais dans quel but? Bonjour docteur, comment ça va? Passe mon agenda, s'il te plaît. Voici vos patients. Docteur, tout va bien? Docteur, ça n'a pas l'air d'aller. Non. Voici le docteur qui a guéri Yoroa. Maïmoui, Pémon, Pémon. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut savoir si tu parles indien. Ok. Demande-lui pardon. Je ne le comprends pas. Akenekan, Epuru. Akekru, Maïmou, Pémon. Esati, Upok, Esentumak. Les envoyés du ciel n'ont pas besoin de demander pardon. C'est ce que tu es. Ça se voit. Ça se voit. Viens partager mon toit et mon repas. J'espère que vous accepterez mon invitation. Ce sera un honneur pour moi. S'il vous plaît. Papa va rester quelques heures en observation. Le médecin veut voir comment il réagit une fois que les médicaments ne feront plus d'effet. Sébastien, j'allais le ramener à Caracas, mais le médecin dit que dans cet état, on ne peut pas le transporter. Allez, ne t'en fais pas, Pacheco, tu as bien fait.
Et toi, pourquoi tu fais cette tête-là? Moi, non, mon amour, rien. C'est que Sophia m'a appelé, elle voulait savoir où on était, c'est tout. Et ton père, comment il va? Mieux. Mais on va devoir attendre. En face de la clinique, il y a un hôtel 3 étoiles. La nourriture n'est pas très bonne, mais si vous voulez aller y déjeuner... Oh, quelle catastrophe! Si Sébastien sort, il va voir la paysanne! Mais bon sang, Pacheco, comment pourrait-on avoir envie de manger dans un moment pareil? Non, mon amour, non, 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 non. Il faut qu'on reste ici avec mon beau-père. On ne peut pas le laisser seul, n'est-ce pas, Sébastien? J'ai pas raison. Que faisait la copine de Sébastien ici? C'est que... il ne peut pas s'agir d'une coïncidence, et encore moins précisément maintenant que j'ai accouché. Oh, mais ne te prends pas la tête, Charlie. Écoute, je ne sais pas. Si ça se trouve, cette fille est la nièce d'un médecin d'ici. Avec sa tête, je ne pense pas qu'elle soit venue se faire soigner ici. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai pas aimé son silence. Elle est entrée ici et elle n'a rien dit. Et après, j'ai senti qu'elle était en train de regarder mon bébé. Quoi? Oui, après, elle m'a demandé si Sébastien savait que le bébé était né. Je lui ai dit que non. Mon Dieu, Charlie. À ta place, je n'aurais strictement rien dit. Je l'aurais viré à coups de pied d'ici. Et bon, après, on peut me traiter de brute, hein. Je sais pas, Margarita, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Que cherche-t-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Assoul, il est là ou pas, le docteur Gabaldon? Il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là, docteur. Je ne vous garantis rien. Tout dépend de la quantité de silicone qui est à l'intérieur en train de lui parler. Bon, j'ai fini mes rendez-vous. Alors, j'ai du temps à tuer. Je vais attendre ici que le docteur ait fini. Assoul, chérie, Juancho m'a dit de te demander un rendez-vous pour la semaine prochaine. Pas celle-là, la suivante. Canon. Ne le répète à personne. Excusez-moi. Merci pour tout, Assoul. Merci, Assoul. La résistance de la patiente à 350 cc est satisfaisante. Bon sang, ma belle, que Dieu sauve ton âme, parce que moi, je m'occupe de ton corps. Et l'an prochain, je te garantis que ce sera un demi-litre en plus dans chacun de tes seins. Si ça se trouve, cette femme va être plus canon que ce qu'elle est. Corinna! Et si elle est encore plus canon? Tu vas lui sauter dessus comme un porc? Non, mon amour! Je savais que tu étais là. Écoute, j'étais là, mais je t'ai vu dans le reflet et je savais que tu étais là. Je voulais te faire une blague, mon amour. En plus quoi, tu sais quoi? Canon, toi tu es canon. Une vraie bombe. Et je parle d'une bombe atomique, chérie. Écoute. En plus, tu veux que je te dise une chose? Je suis fatigué, tu vois, de ces femmes qui n'arrêtent pas de venir me voir et qui ressemblent à des martiennes, chérie. Tu sais, chaque jour, elles veulent être plus et plus et plus. Tu sais... Stop. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? Hein? Ta femme est venue me voir. Donc elle ne s'est pas rendue à ton cabinet pour se faire faire un check-up annuel? Assoul, chérie! Et alors pourquoi elle est venue te voir? Pour obtenir des informations sur ta maîtresse. Elle est persuadée que ta maîtresse travaille ici, à la clinique, hein? Elle est docteur, et elle doit enquêter sur Juancho pour tout lui raconter. Mais pas toi, n'est-ce pas? Pas toi, tu es restée muette comme une tombe, bien calme, n'est-ce pas? Je veux dire, tu n'as rien laissé paraître, pas vrai? Bien sûr que non, Juancho. Ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué. Ce que je lui ai demandé, par contre, c'est si elle allait divorcer de toi. Quoi? Tu as fait ça? C'est dangereux, chérie. Trop dangereux. Je sais absolument tout, Juancho. Je sais que Marucha va accepter de divorcer en échange de ses parts de la clinique. Et ce n'est pas possible parce que ça veut dire qu'elle va être tout le temps ici à nous pourrir la vie.
Non, chérie, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je vais lui parler, ne t'en fais pas, parce que tu sais que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Je vais négocier avec elle, t'en fais pas. Tu as intérêt, Juancho, tu as intérêt. Parce que si Marucha arrive à faire partie du comité directeur, ça, je ne le supporterai pas. Alors, ou tu nous tires de là, ou c'est fini. Oui, c'est bon. Je t'aime et je vais trouver une solution. Bon, Juancho, bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu, trouve une solution parce que tu risques de tout perdre dans cette histoire. Bouge-toi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Cette femme le fait exprès, Juancho, elle le fait exprès. Je la vois déjà, chérie. Ici, installée à la clinique, hein, nous dirigeant d'une main de fer. Et ça, je ne vais pas le supporter, Juancho. Non, monsieur, je ne vais pas le supporter. Non, chérie, ça fait trop longtemps que je travaille dans la clinique pour qu'elle vienne me dire ce que je dois faire. Ah non, Juancho, même ton père ne le permet pas. Même ton père ne se le permet pas. Cette offrande est en honneur à la vie. Et à la sagesse de cette femme. Parce qu'elle a déchiffré l'univers pour guérir mon fils. Parce que Dieu crée les fils au travers des hommes. Merci. C'est très beau ce que vous avez dit, merci. C'est très beau et très sage. Les chamans sont des voyants, alors il faut les écouter très attentivement. Les éléments sont heureux que tu sois arrivé sur ces terres. Mais tu ne peux pas partir. Sans laisser ta marque. Merci de tout mon cœur. Je n'ai pas fait grand-chose, juste... Mais tu as contribué à la guérison divine de mon fils. Et tu sais que tu es la création. Que tu es dans la création de la descendance de ton enfant. De cet enfant que l'univers t'a donné. Un enfant? Vous êtes en train de me dire que j'ai un enfant? Merci, Paola. Merci pour quoi, chérie? Ben, d'être ici avec moi, de t'inquiéter pour la santé de mon papa. Mais ne me remercie pas pour ça, imbécile. Tu sais bien que Monsieur Caillot est comme un deuxième père pour moi et que je l'adore. Tu me pardonnes pour hier. Je sais que j'ai été grossier avec toi et que... Chut. J'ai déjà oublié, mon amour. Ce qui compte, c'est qu'on soit mariés, qu'on soit ensemble et qu'on soit très heureux, n'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. Je sais aussi qu'on devrait partir en lune de miel. Ça aussi, je te le dois. Ce n'est pas de ta faute, mon amour. Ce sont des choses qui arrivent. Qui aurait pu prévoir qu'on allait être ici, justement aujourd'hui, à la Grande Sabana? Je sais que cet endroit te rappelle cette jeune fille. Je ne sais pas, peut-être que je me dis que tout d'un coup, tu as envie de la voir. Non, Paola, non, pas du tout. Mon amour, c'est fini, ça. C'est bien fini, je te le jure. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Elle est certainement mariée maintenant, et son bébé est sans doute né. Excusez-moi, monsieur Sébastien. Oui. Alors Sébastien ne sait pas que la paysanne lui a fait un enfant. Oh, et tu ne le sauras jamais, Sébastien, jamais. Ah. 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 Que voulait cette jeune femme, cette infirmière? Paola, rien, des papiers à signer. Ah, moi. Benjamin, Dieu merci, tu vas bien. Oui, Attilio a donné l'ordre de me relâcher. Il faut que je me tienne à carreau maintenant. Mais quelle chance que Roque et Maria aient échappé à cet abruti. Au fait, j'ai parlé à Romulo et... Il m'a tout raconté. Il m'a dit que Chari allait vivre avec toi, le bébé. Oui, mais on ne sait pas quand le médecin la laissera partir. C'est bien que tu sois là. Comme ça, tu peux rester avec Chari pendant que je vais me changer chez moi. Ce qui se passe, c'est qu'elle est un peu inquiète parce que la femme de Sébastien est dans le coin. La femme de Sébastien? Alors ce salopard est marié et court toujours après Chari? Bah, femme, copine, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que cette fille n'arrête pas de poser discrètement des questions sur le bébé et... Bon, je crois qu'elle est enfin partie, mais il faut se méfier. C'est bien vrai. Il faut toujours se méfier de ces gens-là. Mais bon, ne t'inquiète pas. Je vais acheter des fruits et je reviens de suite. D'accord, ciao. Je ne la laisserai pas seule. Ouais.
vais m'acheter un truc à manger. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Rien, mais pourquoi je n'y vais pas moi et toi tu restes non, ici? Que veux-tu? Non, c'est juste que je veux prendre l'air, je veux marcher un peu, m'étirer les muscles. Ah, Sébastien, mais si ton père se réveille, il va sûrement vouloir te voir. Non, je ne pense pas que mon père va se réveiller tout de suite. Bon, je reviens, hein? Réfléchis, Paola, réfléchis. Si tu ne veux pas que Sébastien apprenne que la paysanne lui a fait un enfant, il faut que tu agisses vite, ma grande. Allez. Ah, tu es géniale, Paola Bettini. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Bien sûr, c'est ça. Ah. Ré, do, do, cola, mon petit frère. Bonjour. Et ton amie? Elle est pas là, pourquoi? C'est mieux comme ça. Parce qu'il faut que je te parle d'un sujet délicat. C'est au sujet de ton enfant. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Qu'est-ce que tu fais ici? Du calme, chérie, du calme. Avant tout, tu dois savoir que Sébastien et moi, on s'est mariés. Je m'en doutais. Et j'espère que vous serez très heureux. Bon, et... je voulais aussi te remercier, parce que c'est grâce à toi qu'on a pu se marier. Ben, quand tu as réalisé tout à coup que ce n'était pas une vie pour Sébastien, tu l'as libéré, merci. Ah, mais j'imagine que tu n'es pas venue jusqu'ici juste non. Pour me dire ça, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Parce que pour moi, mon bonheur est ce qu'il y a de plus important. Et je ne laisserai personne s'interposer entre nous. Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon fils? Tout, chérie. En tout cas, bien plus que tu ne l'imagines. Sébastien et son père veulent te retirer ton bébé. Qu'est-ce que tu as dit? Et toi, comment te sens-tu? Bien mieux depuis que tu es là, mon amour. Dis-moi, tu fais la grève des bisous, on dirait, ou quoi? Tu ne vas pas me donner plus de bisous? Bien sûr que si. Allez, plein de bisous. Encore des bisous. Toujours des bisous. Hé, mon amour, ça ne va pas? À vrai dire, non, Valéria. Il y a une question qui me trotte dans la tête en ce moment. Je vois bien, mais... quoi donc? Est-ce que tu crois qu'Anna Julia aurait pu par hasard faire appel à une mère porteuse? Écoute, Reynaldo, mais d'où tu sors qu'Anna Julia voulait une mère porteuse et... elle ne te l'aurait pas dit? Valéria, dis-moi seulement ce que tu sais. Reynaldo, si cela avait été le cas, ou si Anna Julia avait prévu de le faire, j'en suis sûre qu'Anna Julia te l'aurait dit, tu crois pas? Oui, c'est vrai. Mais je n'arrête pas de penser que... comment dire? Anna Julia, en voyant que je ne voulais vraiment pas avoir recours à une mère porteuse, bah, ça se trouve... elle a fait ça sans me le dire. Elle aurait pu s'en occuper toute seule, sans me prévenir. Et ça aurait pu arriver, n'est-ce pas? Chaman, excusez-moi, je vais vous laisser. Excusez-moi, grand chaman, mais je ne veux pas vous contredire, hein. Mais je n'ai pas d'enfant. Enfin, pas que je m'en souvienne. Ce qui se passe, chef... c'est que... elle ne se souvient pas de son passé. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée dans le fleuve, il y a un moment, à moitié morte. Et bon, depuis ce jour... Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, cet homme que vous voyez ici et moi, on est ensemble. Et il m'a rendu la vie et je ne pourrai jamais le remercier assez pour tout ce qu'il a fait. Ton esprit ne peut pas l'avoir tout oublié. Sinon, tu n'aurais pas pu soigner mon fils aîné. C'est que, parfois, je me rappelle de choses. Ce sont comme des connaissances qui me reviennent. Mais pour tout vous dire, je ne connais même pas mon nom. Viens, approche-toi.
Que les mauvais esprits partent. Valéria, je t'ai déjà dit que mon échantillon de sperme avait été retiré du service de fertilité. Et même Corinna n'a pas su m'expliquer ce qui s'est passé avec cet échantillon. Oui, oui, je m'en souviens, mais... Mais cette histoire que quelqu'un aurait demandé mon échantillon, je n'y crois pas, Valéria, je n'y crois pas. Je sais, mais je ne comprends pas où tu veux en venir avec tout ça, Renaldo. Je ne sais pas, Valéria. C'est juste que je veux découvrir la vérité. En plus, personne ne peut me dire que je n'ai pas de raison de m'inquiéter. D'abord, l'échantillon disparaît. Et ensuite... Ensuite, Martina m'a dit que... Bien, Cana Julia lui avait dit que notre rêve allait devenir réalité. De quel rêve on parlait, Valéria ? De quel rêve ? C'est bon. Je sais pas, Renaldo, je sais pas. Mais je ne vois pas où tu veux en venir avec tout ça. Tu ne crois tout de même pas que je... Si vraiment Cana Julia a vraiment fait ça seule, sans m'en parler, à qui l'aurait-elle dit ? À toi, Valéria. C'est bon, mais Renaldo, mon Dieu, qu'est-ce que tu essayes de me faire dire avec tout ça ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Tu sais ce qui m'inquiète, Valéria ? C'est que si ça se trouve, il y a une femme quelque part qui attend mon enfant. Que responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de corazón.